c'est pas les quartiers très animés de la ligne, j'ai l'impression. C'est pas chez lui que moi les quartiers. J'aime pas conduire vers le 16e, 9-2. C'est trop, ouais, c'est trop triste. Quoi. Bah, tu vois bien, c'est triste. Hein. C'est, tu peux mourir, personne ne voit ça. Je crois qu'il y a des gens de l'Algérie qui regardent, ah ouais, mais ils sont pas beaucoup. Ouais, regarde Aziz, dès le pouce bleu, dès le pouce bleu. Mais là, il faut que je dise en anglais. My friends. Pouce bleu, pouce bleu. En fait, il faudrait que tu trouves une meuf qui fait transidèf et verso femme. Ça serait bien, hein. Après, on fait des vidéos ensemble. Après, ça serait... peut-être sous l'an à la fin. Ah ouais. La dame de fer. C'est vrai, la dame de fer, là, le connaisseur, non, pourquoi, là, elle a été créée en quelle année, cette dame de fer? Non, mais en fait, pourquoi dame? Pourquoi pas homme de fer? Non, mais là, je suis pas d'accord. Hein? Elle a été créée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Pourquoi la dame? C'est monsieur le fer. Ouais, tu nous as pas expliqué. Pourquoi la dame? Pourquoi la dame? Bah, c'est une tour. Voilà, il a, t'as vu ça, il a répondu à ta question. Putain, les gens ils vont prendre pour un con. En tant que chauffeur de bus, c'est pas terrible. Hein. Monsieur le guide touristique Ali. C'est quoi son nom égyptien? C'est l'obélisque. Un obélisque? C'est qui l'a rapporté? Qui est-ce qui l'a rapporté déjà? Astérix. C'est l'obélix. T'as capté la main? Non! Non, t'as pas le droit. Tous les gens quand ils conduisent. Je t'arrête. Ouais, ça clignote. Ouais, c'est bon. Il faudrait jeter un coup d'œil. Vas-y, ça va. Je sais pas, c'est roulé, je teste la première fois là. C'est quoi? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, ligne 72, bon, il l'a déjà dit. Hein. 72, direction Gare de Lyon. C'est quoi la route déjà? Je t'ai déjà oublié le nom. Oh, le ouf. Eh, va pas à la 13, mon gars, sinon on va s'en aller, on part à 5 ou 8, on perd 5, toi. Ah non, je vais commencer, toi. Tu vas changer l'itinéraire, là. Vas-y, j'ai mon arrêt là-bas, déjà. Ça va être plus 72, direction Versailles, t'imagines. Ça, c'est quoi cette dinguerie? On dirait, ah ouais, c'est quoi cette déviation, je la connaissais pas, hein. C'est nouveau. Ouais, mais... c'est même plus une déviation, carrément, ça, si tu pars dans un autre bled. Changement de bled. En plus, ça serait long, genre, de conduire, genre, dans d'autres villes, genre Lyon, Marseille, ouais, tout ça. Magnifique. Vas-y, fais un roleplay de Paris à Lyon, tu vois. Non, mais en mode genre, tu vois, pour découvrir, wesh. Oui. Ah ouais, mais t'as pas respecté, mon gars. Bah, c'est doux, ah, c'est ce que dire, il est trop lent. Oh, c'est en arrêt, le 52, là, c'est même pas arrêté. Ouais, c'est même pas arrêté. Ouais. Là, je vais bombarder un peu là. Bah, j'avoue, parce que là, on s'endort. Là. Ah ouais? Ok. Ouais, allez, on va faire un radio, on va voir le mec. Ouais, du 114. Bah, ouf, hein. Ah, tu me balances, 114, tu me balances. Ouais, je t'aime bien. Sinon, je découpe, c'est moi, je découpe. Bah, tranquille. Ah ouais, je bombarde, il y a du 32. Ouais, bombarde. On n'a pas le temps. C'est dingue. Arrête, ça c'est de la rigolade. Qu'est-ce que tu veux faire?
qu'ils sont trompés. Ah ouais, je me disais que c'est trompé. Mais comment faire du temps de quand je vais prendre un arrêt alors que t'as juste à traverser là pour venir. C'est bizarre. C'est bizarre. Hein. C'est la personne qui est descendue. C'est que des fois, il y a des gens. Des gens, ils sont faits. Hein. Moi, je crois qu'il y a une prochaine, mais c'est ouais, pas qu'il allait avoir un arrêt. Ouais, c'est on pardonne, on pardonne. Je suis là, je peux douter, on pardonne pas si gars. C'est même le coup de ne pas traverser. Je t'ai dit que moi les quartiers, j'aime pas conduire vers le 16e, 9-2. C'est trop triste. Quoi. Bah, tu vois bien, c'est triste. Hein. C'est, tu peux mourir, personne ne va savoir. Toi, c'est quoi les quartiers plus animés, comme tu m'as dit, Belleville, tout ça quoi. Je pense que c'est ton quartier, c'était sûr. Que déjà, il y a de l'ambiance. Et... En fait, tu vas pas t'en passer là-bas. Alors, tu vois, quand c'est animé, c'est bien. T'es sûr de rigoler, tu vois. Il faut rester à Paname alors. Sur les dépôts, bah, c'est ça, hein. Tu vois, les gens là-bas, ils rigolent avec toi et tout. Personne ne va te calculer ici. Tu vois, de camper à. Tu parles de où? Tu vas pas où? Bah, quand t'es ici, genre, les gens ils calculent pas. Hein. Ah, ici à Paris là? Ouais. Enfin, non, plutôt dans à Saint-Cloud. Ah, Saint-Cloud, ouais, la banlieue quoi. Tu vois, 72, les gens ils calculent pas alors que c'est 11. Tu vois, des fois, il y a des habitués, ils viennent te voir, ils rigolent avec toi. Ouais, c'est vrai. Ça m'est arrivé quand je passe devant le marché, genre il y a des... ceux qui font le marché ils donnent des fruits et tout. C'est vrai, c'est vrai. Ils donnent des fruits. Ouais, c'est ça. On n'a pas des marchands directement. Ouais. Ah, j'ai déjà vu ça même à il y a un collègue, j'étais avec lui, mais on lui a donné un fruit sur le côté là, pendant le marché, il a dit tiens, il a balancé ça comme ça, il a récupéré. Ouais, ils sont généreux là. Ici même pas un bonjour. Ouais, c'est différent. Les quartiers populaires, c'est plus animé que les quartiers... Largement. Petit bourgeois, quoi. Bah, quartier populaire, il y a les quartiers où... genre République, Bastille... C'est animé, là. Ouais, tu peux faire animé. Du N0 à l'Occitan, ça te dit pas, toi? Franchement, tu pourrais, hein, j'aimerais bien. Regarde la vidéo du N0 et tu me dirais si tu peux toujours en refaire. Vas-y, ça. Pourquoi elle est pas bien? Ah, je dis pas qu'elle est pas bien, mais... T'as de l'animation, mais l'animation... Wow. Pas en cacahuète. Pas en cacahuète. Écoute, on aime le risque. Direction Gare de Limoges. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je pense que là, quand on va rentrer, je pense vers les côtés de ton corps, ça va être un peu plus animé, ton réflexe. Bah, ouais, c'est ça. Parce que là, je vois que tu t'endors là. Depuis qu'on a quitté le secteur Tour Eiffel, ça y est, tu... Ah, au début, je vois, c'était bien chaud. Voilà, carrément, j'étais surpris, carrément. Je sais pas qui connaissait aussi bien Paris. Ouais. C'est un petit cachet qui... Même là, il connaît Paris, il doit connaître beaucoup même de gazelles. Ah, il connaît tous les quartiers sont de Paris. Non, on va espérer le téléphone, là, un petit peu. Cache bien ton jeu. Vas-y, ferme les pas, là. Il est tout calme comme ça, il sourit, tout ça. Vas-y, c'est quoi ton téléphone là? Hein? Dans ton téléphone? Non, tu prends plus l'année. Ah bah, par contre, à notre cher youtubeur. On va questionner sur les gazelles, c'est quoi ton style de gazelle? Hein? Ah, t'es plus mec? J'ai plus de femmes. T'as une femme? Non, mais quel style? J'ai pas de préférence. C'est quoi les critères pour... Ah, là, ça, on est passé dans Transidée Francontre. Je pense que c'est ça que tu vas appeler Transidée Francontre. Ouais, c'est... Ah, bah, oui, enfin, moi, je vais changer le nom de la chaîne, je crois que je vais appeler Transidée Francontre. Ça, c'est pas mal, c'est un bon concept qui peut marcher, ça aussi. Ouais, tu fais un date en bus, c'est bon. Un date, c'est bon. Tu mets une petite table, une petite lumière. Mais t'as bien un style de gazelle que t'aimes, genre par exemple, je sais pas. Pas de style, mais de critères. C'est quoi les genre critères grands... rédhibitoires, carrés comme dans les. J'ai envie d'avoir une question. Genre, imagine, elle chose du 43. Ma
Tu t'en fous? Tu t'en fous? 43. Genre c'est Shaquille O'Neal. Ah ouais. Ça va, ça passe. Le B05. Genre c'est tire bien les coups francs, c'est bien Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ça veut dire donc là, donc on remonte vers le haut, niveau cuisse, ça va si c'est pas très costaud, tout ça. En fait, j'ai capté, il y avait une meuf qui ressemble à Amande en fait. Quoi? Il y avait une meuf qui ressemble à Amande. Un peu de viande. Mais comment tu parles des femmes, Manny? Un peu de viande. Ah bien, il a raison, quand même, parce que quand c'est trop, il n'y a pas de viande aussi, tu t'ennuies, mon gars. Ça part un peu en cacahuète, la discussion. Ah, je suis mort. Aussi maintenant pour avoir un homme, c'est je fais une soirée, je veux qu'ils savent faire la cuisine. En fait, il y a tellement de critères qu'au final, tu te dis, des fois même pas l'homme, je crois l'homme parfait, est-ce que ça existe vraiment là? Non, mais à l'époque, c'est un meuble Ikea, genre tu peux toujours. C'est une énorme. Ah, mais c'est vrai. Un nouveau meuble. Ah, mais. Genre, et quoi, c'est une OG, tu peux mettre toutes les options. Bonsoir. Ça va être cher. Et après? Ouais, du coup, c'est une meuf qui fait du 43 en chaussures et qui a des bons mollets. Ali, il prend. Il est preneur. Tu racontes pas? Ah, rien. Ah, il a bien dit au micro, toi, t'es un bon acteur, toi. Non, je disais. Mettez des likes. C'est vous qui faites le contenu, mettez des likes. Mets pouce bleu, comme dit l'autre. Donc on était revenu donc au pied, donc les cuisses un peu de viande, on remonte vers le haut maintenant. Le haut là, c'est où vers le haut par exemple, vers le. Faut qu'il y ait des airbags à l'avant ou c'est comme. Donc si, s'il n'y a pas trop d'airbags, ça passe. Il y a une caméra cachée. Non, la caméra, c'est là présent, on les voit bien. On les voit bien les caméras. Ouais. Elles sont pas cachées. Je suis en mode micro-trottoir là. Ah non, mais là je vais. Ah, on dirait qu'on a un châtelet là, genre. Il est attaqué par un bébé qui est. Normalement, on est censé représenter la boîte, non? Bah, oui, là, oui. Comme ça, on part complètement. Là, vous partez tellement. Ah, parce que c'est RATP rencontre. Ah, mais en fait, même si tu n'es pas des RATP, il ne connaît pas les RATP. Je n'ai pas parlé de boulot. Genre, ouais, qu'est-ce que tu penses des TN? Je ne peux pas parler de ça. On parlait de ça, mon gars. Bonsoir. En fait, je vais se faire arrêter au 43, ça va partir. Ah, carrément. Ouais, c'est 43 qui va partir. Tu l'as perdu là, il s'est arrêté au 43. À partir d'une certaine heure, on le perd. Et les filles, ils se touchent. Les filles, ils se touchent. Là, il y a un court-circuit. Attends, fais les malins, c'est pour ça qu'il y en a toujours derrière. Ah, c'est lui, mon esprit, il est encore ailleurs. Mon corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Il est encore en Algérie. D'ailleurs, Algérie, plus beau pays du monde. Moins de l'Algérie. C'est vrai, c'est lancé. Voilà. Les Algériens sont représentés sur France TV. Les Algériens mettaient que des pouces bleus et des drapeaux algériens. Montrez la force. Je crois qu'il y a des gens de l'Algérie qui regardent. Ah ouais? Mais ils sont pas beaucoup. Wachoyad Aziz, dis le pouce bleu, dis le pouce bleu. Vas-y. Mais là, tu faut que je dise en anglais. My friends. Pouce bleu, pouce bleu. Je peux pas en anglais, moi. Ça y est, là, je crois qu'on va rentrer dans la partie qui est un peu plus animée, là. Ouais, non, on commence à rentrer dans le 92. Dans le vif du sujet, là. Je crois qu'on va prendre les touristes à la Tour Eiffel, ça va le faire. Ils sont venus, les gens qu'on a appelés à l'aller. Ouais, c'est ça. Ils sont venus, tu sais, les gens qu'on a appelés à l'aller. Ouais, c'est ça. Ils vont voir la tour Eiffel jusqu'à minuit. Après, tu vois, après, ils bougent, ils voient Avenue Montaigne, tout ça. Voilà, ils vont partir vers la gare. Après, ils vont vers les Champs-Elysées et tout. C'est
c'est ça. C'est un 92 en 72 tranquille. Ouais, là c'est en mode chill, en mode. En mode découverte des sentiments d'Ali. Genre, c'est quoi, c'est des. Il veut pas déclarer. On va trouver une gazette sur le chemin. Simple. Est-ce qu'il y a un abonné qui fait 40 points? Bah. Manifeste-toi. On va un DM et on va se renvoie direct, hein, mon gars, si ça passe direct. Ah, bah, imagine, il y a un truc qui se crée là. Imagine. Après, on le voit de lui, c'est non plus. Hein? Non, on le voit bien en plus. Attends, mais en fait. De Ali, mais toi, le fameux youtubeur, c'est quoi ton style de fan? Oh, c'est pas ouais. C'est pas moi, je me cherche un peu. Hein. Cherche un peu. Moi, en tout cas, il faut se recharger dans les deux côtés. Ah ouais? À l'arrière que à l'avant. Les deux sont chargés, mon gars. Okay. S'il n'y a pas ça, c'est élimination directe. À ce moment-là. Mais t'attends quoi, Gaël? T'attends juste ça? Non, ouais, je rigole, non. Qu'il y ait un million dans le cerveau et puis aussi. Voilà. Pas quelqu'un, tu m'envoies un ticket, me dis ouais, j'aime pas, je suis fatigué, j'ai pas envie. En vrai, il faudrait que tu trouves une meuf qui fait 36DF mais version femme. Ça serait bien, hein. Après, on fait des vidéos ensemble. Après, ça serait peut-être saoulant. Enfin. Ah ouais. Mais quelqu'un qui fait le même délire que moi, peut-être. Bah, c'est bien, faire des vidéos, ouais. Bah, c'est bien, vous parlez que bus à la maison. Vous avez des grands posters. T'imagines, t'as des grands posters des buts, genre 72 lignes de but. Ouais, ouais, il est pendine. Hein. Tu me diras aussi le GX337, il passe sur. Tu sais qu'il y a des gens, ils kiffent tellement les rats des buts. Ils ont des lignes de but chez eux. C'est un truc de ouf. Ça là, t'as pas intérêt à dire n'importe quoi, parce qu'il y en a, ils leur disent. D'ailleurs, c'est quel but celui-là que tu conduis là? Tu vas dire une bêtise, donc tu conduis direct. C'est un Stélis. Ouais, mais c'est quoi, parce qu'il y a des cités, apparemment Line, 12. Wow, alors là, tu me demandes trop là. C'est un bus, il y a 4 roues, ça roule, mec. Ça roule. Écrit dans les commentaires, c'est un Line, c'est un 12, c'est tout le monde. Après, peut-être, je vais faire un peu de recherche pour savoir quel bus c'est. Parce que je l'ai mis toujours dans la bio, dans la description. Enfin, dans la description. Pas dans la description, mais dans l'introduction. Ouais, c'est un bus, mec. C'est un bus, c'est la 4 roues, il roule, c'est l'essentiel. Ouais. Tant qu'il y a des vents. Tant qu'il y a du gasoil, il roule. Là, tu vas où, là? Là, je vais à gauche. Là, c'est le seul endroit où c'est un peu serré, après, c'est que tout droit. Ah ouais? Ouais. C'est un endroit, on va dire. Le feu, il est pour toi, là? Ouais, il est pour moi, le feu. Ah ouais? Des fois, j'ai peur que ça se fige, ou ça m'arrive, ou quoi? Non, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Attends. Et au niveau regarde derrière toi, il y a un truc jaune là, il y a combien de minutes? Il reste combien de minutes? Une heure combien? Ah ouais, donc ça dure. Ouais, c'est ça, parce que je l'avais fait à 55, donc c'est bon, ça enregistre bien. Même toujours dans le 16e. Non, je pense qu'on a passé le 16ème, je pense. Non, je pense qu'on se rapproche du 7ème arrondissement. Franchement, je sais pas du tout. Il y a une plaque là-bas, on verra c'est quel arrondissement. Mais je pense que. Franchement, les touristes, ils vont regarder la vidéo, ils doivent dire putain, ils sont venus, c'est qu'ils sont ici. Ah, ils vont dire, ils sont vraiment claqués au sol. Ah, mon gars, pour des gens qui sont chauffeurs de bus, c'est pas terrible. Parce que pour certains clients, t'es obligé d'être tu connais tout. Genre là, on est dans le... Tonton du bled, petit jeune homme. Rue Claude Terrasse, dans le 16ème arrondissement. Ouais, 16ème, je savais qu'on est dans le 16ème. On est dans le 16ème. Parce que je sais que Porte de Saint-Cloud, c'est le 16ème. Ah, mais des fois, quand je t'ai dit, il y a des tontons du bled, là. Petit jeune homme, là. Ah, là, j'y vais au 25 pays. Non, plus ils donnent des rues. Moi, je sais, tonton, moi, je veux bien, mais donne-moi un nom d'arrêt, moi, je connais pas les rues. Ah, il croit que ta tête, c'est white, quoi.
en fait, je crois qu'avant, quand je suis pas à la DP à l'ancienne, je crois qu'ils connaissaient pas mal de. Ils connaissaient beaucoup de trucs. Ouais, bah, tu sais, quand je vois les enfants qui ont 15 ans avant ton boîte, ouais. Ils connaissent tout. Ah, c'est ça, maintenant, tu sais, on te. Ils connaissent tout. Des GPS, des tablettes, et tu ne vois pas forcément les. En plus, souvent, t'as. Et c'est dommage, t'apprends pas. Hein. En plus, souvent, t'as comme ici, 16ème, t'habites pas ici. Là, tu connais pas toutes les rues. Genre là-bas, je sais pas, 8ème, tu connais parce pas. Parce que j'aurais dit, on serait au States, c'est plus facile aussi d'apprendre. Parce que les chaînes, les rues, elles sont linéaires. Ah, c'est ouais quadrillé. C'est quadrillé, voilà, c'est que du tout droit. C'est tac-tac, tu vois. Il n'y a pas de. Tu prends la rue comme là, ça. Ça tourne un peu, ça tourne, tu vois. Elles sont pas chères là-bas. Elles sont pas chères. C'est vraiment, on peut te filer marrant. Elles sont pas chères, alors qu'ici, bah après, c'est pas pareil, parce que là-bas, c'est large. C'est un grand pays ici, c'est petit. Ouais, c'est ça. Et tu vois, quand tu vas en Italie, c'est pire. En Italie, il y a de l'eau déjà. Donc, tourner à gauche à droite, c'est un peu compliqué. Enfin, je dis à de l'eau, c'est pas tout le pays qui est sous l'eau. C'est qu'une partie. C'est quoi, c'est Venise, ça hein. Laquelle? Ah, bah, l'eau, là. Ouais, l'eau, ouais, c'est ça, c'est Venise. D'ailleurs, le jour, je vais trouver ma femme de ma vie. Ouais. Un jour. Ouais. Et j'irai à Venise, ce sera même le premier date, ce sera à Venise. Je l'annonce ici en live. Tu l'annonces? Vous allez manger quoi? Chipa spaghetti? Je crois que ce soit trop cher en même non, temps. Non, c'est, je vais bien comme dans le film. Chipa spaghetti, vous prenez ouais, la même pâte. Ah, ça c'était le. Ouais, c'est la belle et le clochard, ça je crois. Ouais. Ils prennent la pâte avec la boulette de viande. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que j'ai l'air. Ça se rapproche comme ça, je crois que je vais le faire ça. Parce que c'est que si je l'amène à la tour Eiffel, je vais le ruiner. Ah, mais je vais le faire. C'était le meilleur date de notre vie. Plus tu amènes le fast-food. Non, je suis un bâtard comme ça. C'est toi qui vas l'amener au fast-food. Elle va payer sa part en plus. Toi, je vais être sans gêne. Toi, je vais aller chier, on s'est marié aujourd'hui. Aller au grec, au 5 balles. Non, mais imagine. Pas chier. Imagine que tu dates une meuf. Non, mais c'est pas grave. Genre, tu l'invites et tu dis, ouais, vas-y, paye ta part. Tu vois compris, t'as dit? Genre tu dates une meuf. Ouais. Et genre au moins de payer, genre je paye que ta part à toi, tu payes pas sa part. Ah ouais, y en a ils ont fait quoi chérie, je reviens, ils sont jamais revenus. Ah c'était pas ça. Ah c'est quand même un meuf là, au restaurant, on biscuit, ça t'appelle ou quoi? Ça va payer 600 balles. 600 balles et après payer séparé. Ouais. C'est chiant ça. Ouais, franchement, il a tout niqué. Il y a un gars, je crois, il avait fait ça. Je sais pas si c'est le même gars qui parle, mais après, il a fait ça au moins sur le TikTok. Ah ouais, on l'a attrapé. Il est chaud, lui. Je crois qu'on l'a enfermé, ou je sais pas, il a payé des amendes, ou je sais pas. Mais non. Bon, je vous avoue. Ah non, on voit le TikTok. Ah, ça vous a. Ah, par contre, il est bien. Ouais, c'est que j'ai un peu le rempli. Ouais. Il a dit quoi? J'ai entendu chef. Ouais, j'ai entendu chef. Ouais, tu veux quelque chose pour les frites? Chef. Quoi? Bonsoir. C'est vrai quand tu vas au Quegrier, on dit beaucoup chef. Moi, dans son bus, chef, on dit. C'est vrai, c'est chef. C'est quoi? D'où ça sort ce chef-là? Ouais, je sais pas. En tout cas, la première fois qu'on m'a dit chef dans le bus, putain. Il prend pour un mec targué là ou quoi? Ah, dis chef. Je crois que chef c'est pour en faire. Pour Ça passe partout. En genre, chef, comme ça, ouais. Le mec tu le sauces aussi. En fait, ouais, je suis en chef alors que le mec il vend juste des kebabs, tu vois ce que je veux dire. Ça ah passe non. Bien, tu vois. Non, les kebabs c'est vraiment chef. Non, c'est vrai, c'est vraiment. Même moi, des fois, je te dis, la vérité, du chef. T'as de la sauce. Parce qu'en fait, tu vas pas dire, ouais, mais moi, un kebab monsieur, s'il te plaît. Ouais, ça passe pas. Ouais, mais monsieur, c'est pas un peu trop fort en fait. Alors que chef, c'est un peu. Que chef, tu vois, c'est. Chef. Bon, j'ai pas envie de dire frérot non plus parce que frérot ouais. Ça fait un peu trop, ouais, ouais, bon, relax, je suis pas ton pote. En vrai, chef, c'est bon, t'as pas dit même. Et moi, un gars enfoiré, je peux pas dire ça. Non, en plus, je suis pas trop rempli là, je vais
table. T'as pas mis ta gamelle derrière un pot. Je ramène jamais ma gamelle. Ah ouais. Voilà. Parce que j'ai la flemme de manger genre, sur le pouce, tout ça. Je préfère manger chez moi tranquille. Donc là, on arrive dans les beaux quartiers. On commence à arriver vers la tour d'Eiffel. Si la caméra est assez bonne, on doit apercevoir la magnifique dame de fer. Voilà. La dame de fer. Pourquoi non, la dame de fer, là, le connaisseur, non, là, pourquoi... elle est écrite en quelle année, non, cette dame de fer? Non, mais en fait, pourquoi dame? Pourquoi pas homme de fer? Non, mais là, je suis pas d'accord, là. Hein? Elle a été créée à l'occasion de l'exposition universelle de 1880. Mais là, il est incroyable. Il est bon, il est bon, il est bon. Ah, c'est bon, ouais, tu m'as saoulé, là. Ah, là, c'est bon. Ah, ça, c'était juste un... T'as vu, on t'a demandé juste quelle année, toi, tu fais Wikipédia. Écoute... On est passé de Transidef rencontre. Transidef football, et là, Transidef kebab aussi, restauration. Quand CDF maintenant Histoire. Attends, on va revenir au meuf. Allez, après les chaussures, après le bas, le haut. Et le gamin, il revient sur les meufs. Mais pas dur, il fait timide. Bon. Tu crois que je pense ça, c'est bon, en vrai, lui, c'est. En fait, lui, c'est pas celui qui fait ce qu'il y a dans la tête. Il a raison, c'est ce qu'il y a dans la tête. Parce que les filles, là, c'était un. Voilà, c'est du plastique, d'accord, mais c'est rien dans la tête. Ok, s'il y a ça et ça. Après, j'aime bien les étoiles de maintenant, j'aime bien ça, donc c'est pas direction. J'aime bien ta façon de voir les choses, c'est très bien. Je crois que plus tard, il va créer quelque chose. Carrément, oui. On prend 80% des hommes. Des gros tarpis et des gros airbags à l'avant, mon gars, ils savent pas se contenir. Hein. Ah, c'est des chacals. Comme les femmes, elles ont compris ça, bah ça y est, les gens. De toute façon, l'homme, il s'en fout de ce qu'il y a dans sa tête. Lui, ce qu'il veut, c'est juste. La chair. Le plaisir de la chair. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est grave. C'est dommage. C'est pourquoi? Parce que j'avais 203, mec. C'est pour ça. Là, il a fait 3 fois. Mais quand tu fais 8 fois. Non, mais j'ai pour moi, j'ai eu plus que ça. Ah ouais? Plus que 8. En fait, c'était un peu gêné. Après, si je vais le voir, je vais le voir. Je vais t'inquiète. C'est bon, t'inquiète, ça passe. Ouais, c'est. Je vais magnétiser. Ouais, t'as plus de signes comme ça aussi. Ouais, j'attends un peu. Ouais, parce que tu mettais peut-être avec ton téléphone ou des clips. Ouais, alors tu venais à peine de les acheter. Hein. Ah, parce que en fait, là, des fois ça m'arrive aussi, les tickets, tu sais, les tickets qu'on achète en bah, même ouais. En forme. Là. Ouais. Et puis, en terminus, ça fait ça des fois. Hein. Ah ouais, ouais. Ça m'a jamais fait encore. Alors là, je vous fais une magnifique vue de la tour avec mon téléphone. Ça va, je la mettrai dans la vidéo après. Je monte avec la magie du montage. J'ai mis la tour Eiffel de côté, rien que pour vous. Et si c'est pas un professionnel, ah, qu'est-ce qu'elle a avec quel professionnel? On va voir les deux. Qualité hors norme. On va arriver là-bas, tu vas l'avoir mieux. Ouais, j'aurai un vieux. J'ai un peu d'être un touriste, hein, déjà. Dame de fer exceptionnelle, bon, je vais vous refaire un deux. Incroyable. Mais moi attends, j'ai toujours mis ce point là. Pourquoi la dame? C'est monsieur de fer. Ouais, tu nous as pas expliqué. Pourquoi la dame? Ouais,
une dont. Voilà, il a répondu à ta question. Putain, les gens ils vont prendre pour un con dans le bus. Chauffeur de bus, c'est pas terrible. Hein. Non, putain, il me semble que le niveau d'un chauffeur de bus, c'est. Non, mais c'est pas grave. Ouais, je la prends là, hein. Ouais, prends la prends, je vais vas-y. Les gars, ils vont prendre pour un bon gol. Là, là, c'est incroyable. Les gens vont descendre, il y en a, ils vont monter. Non, non, juste l'espèce. Juste cash. Also, you can send by text too. Text? Yes. Non, mais là, je sais pas s'il a une puce française. Yes. Two tickets. C'est 93 cents, c'est ça? 93 cents, mais c'est. C'est ça une puce française. C'est une puce étrangère, ça marche pas. Ouais, plus 72. Ça marche ? Je vois pas en quoi le reçu. Hein ? Ça ressort pas le reçu. Ouais, je me demande si c'est une puce française ou étrangère. This is New York, tu as forfeit ou ça ? No, this is not. This is a Danish number. Ah, that's why. No, it's not working. No, it's not working. Okay, we go out now. No, it's okay. It's okay. Yes, yes. Thank you. Ouais, bah ouais. Parce qu'en fait, il va le payer par carte, mais en même temps, il devrait mettre le paiement par carte. C'est vrai, non. Surtout qu'après le Covid, je suis pas écrit par carte. Mais franchement, il devrait même plus d'espèces que des cartes. Bah oui, l'espèce. Ouais, sur les bus et compagnie. Ouais, en vrai, pour ça, toi, tu gardes pas l'argent et ton argent directement. Hein. Des fois, je me demande pourquoi ils sont autant en retard sur ce truc. Pourtant, c'est Paris, grande ville lumière. Ah, grande ville, quand même. Alors que toi, dans d'autres villes, il y a ça, dans d'autres villes. Alma, Marceau. Alors, à gauche, on a aussi un monument, là, je sais pas, c'est quoi non. C'est une flamme, mais je sais pas ça correspond à quoi. Ah, tu sais quoi ça ici? C'est quoi? Tu te rappelles de Lady Diana? Ah non, c'est pour vrai, Lady Diana. Diana, oui. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Elle est morte sous le pont de la mort. Ok. Et c'est en mémoire. En... Okay, parce que là, on est au pont de la mort. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, Alma Marceau. Ouais, ça, c'est le pont de la mort. C'est ça en fait. Ça, c'est vieux. Hein. En vrai, c'est une arrivée, c'est-à-dire qu'elle est morte dans un pont qui. Bah, ça a été fait exprès, ça mort. Ah ouais? Pour le guide touristique, là, tu nous aides. Oui, c'est tu te rappelles des Lady Diana? Lady, oui. Lady, voilà. Là, on est pas au fond de la loi, là. Parce qu'il y a des. Mais il y a ce mémorial. Ah, là, ce mémorial. Mais ça va, j'ai pas dit. Et il n'y a pas d'autre en plus. C'est quelle année, ça? Ça remonte, hein? Ouais, c'est. Dans les années 1976, c'est pas ça? 4 fois. Les invalides. D'abord, on passe les invalides.
Tu veux tout parle tout, ça j'habite ici, mon gars. Au moins, tu veux t'aider gratuitement. Hein? Au moins, tu veux t'aider gratuitement. Bonsoir. Bonsoir. Il y a aussi des clients aussi, genre, déjà, qui sont très malins. Parce que quoi, ils payent pas, ils font des grands salons. Ouais. Ils vont bien. Ah oui. En gros, le. Cramé, t'as pas payé, en gros, le bonjour vaut 2,50 en gros. Voilà, exactement ça. Au moins ils sont respectueux au moins. Au moins c'est ouais. Là c'est ils payent pas, comme un chien. Ouais. Franchement, je préfère quelqu'un qui paye pas qui me fait un sourire que quelqu'un qui paye et qui paye. Ouais. T'as vu les petits bruits là hein? Les bruits comme ça ils sont enregistrés. Ouais, il est pas bien. Ouais, les bruits là comme. Ouais, y'a pas genre un réducteur de bruit genre hein? Y'a pas un réducteur de bruit. Je sais pas donc voilà, parce que là, il y a pas longtemps, j'ai pas regardé les réglages du fond. Là où c'est relou. Ah bah ouais. À Concorde. Eh, je suis vraiment nul au niveau des. On a un peu c'est dans le très jeu, ça n'a rien à voir. Là on est à la Concorde. Et si je dis pas de conneries, je vais dégainer encore mon. D'ailleurs, c'est quoi. Ça c'est quoi c'est le. C'est quoi ce monument hein. C'est quoi ce monument Ali hein. Comme t'as bien inscrit sur le fils, ça va sembler notre. Ah, monsieur le guide touristique Ali. C'est quoi ce monument égyptien hein. C'est l'obélisque. C'est l'obélisque. Qui l'a rapporté. Alors là, aucune idée, c'est pour ça que je te demande, parce que t'es très fort en monument parisien. C'est juste venu ce soir. Hein. Bah, raconte-moi. Qui est-ce qui l'a rapporté déjà Astérix. Vixen Obélix. Oh non. T'as capté la main. Oh non. Oh non, t'as pas le droit. Oh non, c'est un bon de rester. Oh non, ça va pas rester. Non, après, je sais pas en vrai. Vas-y, bah, moi je sais pas, tu poses une question, je te réponds selon mes moyens. Pas sérieux. C'est qui du coup ah, on peut monter des clients. Ouais, je rigole, ouais. Je sais pas, vous parlez de quoi. Parce que moi j'étais focus sur le monument de l'Assemblée nationale. En fait, on parlait de l'obélix là. En fait, il a dit quoi. J'ai pas compris. Il a bien suivi en cours d'histoire en troisième. Hein. Au collège, du coup. Du coup, mais ça c'était en quelle année du coup? Franchement, tu peux me dire n'importe quel âge, je vais dire ouais, t'as raison. Ouais, bah, c'est les noms, mais bon, c'est beaucoup connu quand même. Après, bon, je savais pas que c'était plus la période. Ouais, pareil. Ça, j'ai appris un truc, ça passait. Tu sais, Kanye, t'apprends beaucoup de choses avec Kanye. Tu sais, il a vu les vidéos là. Ouais. Il faut te parler de fesses, de seins, au moins, on est tranquille. Je crois que c'est. Ah, après, je garantis pas que les gens vont rester jusqu'à cette partie de la vidéo. Ah ouais? Ah, parce que je crois que les gens, quand tu vois un peu plus de femmes, de trucs. De, ouais, ils sont un peu plus là. Ils sont plus là, tu vois, là, tu me parles de Napoléon Bonaparte, là. Bah, ça va les faire rester. Ça paraît une meuf, alors. Ça y est. Ah.
Là, par contre, là, il va dire des plus forts que. Il va réussir à mieux répondre que des Napoléons. Ah, en fait, c'est des chacals, les gens qui aiment ça. Ouais, ça, c'est. Ils aiment ça. Des gens, ouais. Ça, d'ailleurs, c'est une bonne question. C'est quoi ça, ce. Bah, ce... là, on est au musée du monde, tu connais. C'est le palais du monde. Là, on peut visiter, non? On peut visiter gratuitement. Je vais rentrer dans les jardins du coup. Il y a ta meuf là. Il y a de la meuf là-bas. Gratuitement, j'y vais pas. Hein. Gratuitement. Mais t'es sûr que c'est gratuit? Parce que je crois que ce que tu dis, c'est gratuit. C'est oui. Non, gratuit. C'était gratuit, franchement. T'as dit que c'était gratuit. T'as dit qu'on peut visiter gratuitement? J'ai dit. Jardin du loup. Bah, c'est vrai. Ah oui, bah, là, c'est. Là, tu peux te promener ici. En plein air, tu peux te promener. En plein air, mais moi, je te parle des. Quand tu descends à l'intérieur. Pour le musée. Pour le musée. Musée pour les étudiants. Ouais. Dimanche, c'est gratuit. En tant normal, je paye. Je ne connais pas le prix. Regarde là, il y a des fans de bus, t'as vu? Ah ouais, il fallait saluer. C'est vrai, des bons fans de bus. Hein. Alors, on va passer sur. Un ticket? Un ticket? 5 euros. It's one ticket is 250. Right? Perfect. Yes. Merci. Bah non, faut savoir. Vas-y, tu peux pas leur dire coucou avec un peu de clochette, tout ça. Non, mais je peux clochette. Ouais, ouais, ouais. Regarde, on est prêt à être rafale, mon gars. Vas-y, tu leur dis. Tu leur dis leur. Même pas des vannes de bus. Tu mets une grosse tête de moi, toutes tes imperfections. J'étais sous le soleil, 40 degrés. Là, je trouve sur la grisaille de parisienne. Il n'y a même pas de cocktail, bouteille d'eau chaude. Ça va, je t'en sors bien, parce que tu serais peut-être quand t'es parti ici, là. Ouais. Mais là, on se suffoque avec ces bus, là. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes, t'as déjà... Tu sais qu'il y a un bus, je sais pas c'est lequel. Il a un petit ventilo, ici. C'est pour le déco, là. Ouais, sur cette ligne, non. Est-ce que c'est pas avec les bus de... Là. C'est pas les bus de l'autre dépôt parce que je sais qu'ils ont ça, je crois. Non, c'est un bus de. Bah, j'ai conduit. Ah, j'ai conduit. Ah, ouais, bah... j'ai conduit.
Franchement, t'as un petit ventilateur ici, là. Ça vient, tu... Ah, mais c'est magnifique, franchement. C'est grave chaud. Hein. Franchement, si tu transpires, tu mets ça, tu n'as même pas rien que ce dégoût. Parce que l'avantage en plaid, je pense, quand tu vas en plaid, c'est que... Il a de... Comment dire ? C'est sec, en fait. Voilà, le... en plus, à la mer, donc ça veut dire qu'il y a du vent. Il ouais, n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Même, tu vois, c'est sec, il n'y a ouais, pas de pollution. Ouais, il n'y a plus de pollution. C'est relou. Quand tu le mets, t'es en vacances, t'es posé, t'es tranquille. Ah non, je fais bien, hein. Non, parce qu'en fait j'étais perturbé par les drapeaux là. Je pense que c'était des drapeaux. C'était des drapeaux ça. On a fait un petit. Pas du tout. C'est un arbre gros montage. Moi j'ai une idée. Je pense savoir ce que ça veut dire LGBTQ. Allez, des grosses bites. Oh là là. Transsexuel. Ah, c'est pas clair. Oh là là, on a. Mais du coup, il fait ça. Franchement, c'est pas mal. T'as du talent. Moi, j'avais pas pensé à ça. C'est une idée après. C'est une idée. C'est une proposition. C'est passé en introduction celle-là. C'est vrai. Voilà, c'est sûr, les gens ils vont regarder. Quand tu mets ça en introduction, ça... Ah, les gens ils vont rigoler. Hein. Oh, c'est pas mal, hein. Je pense, j'ai même pas pensé à ça. Après, le cul à la fin, bon, tu laisses le cul. Bon, bah, ça reste cul. Ouais. C'est un très long bras, j'y vais pas. C'est comme quand on dit RATP, rentre avec tes pieds. Ça ah, je la connaissais pas, c'est ça. C'est vrai, je la connaissais pas. Je connaissais Reste assis, t'es payé. C'est laquelle ? Reste assis, t'es payé. Ça dit t'es payé. T'es payé. Avec la RATP, c'est pas mal de trucs. Franchement, il y en a un autre, mais j'ai oublié celle-là. Parce que moi, j'avais rentré avec tes pieds. Là, ouais. Tu viens de m'apprendre un truc. Là, tu m'as dit. Rentre avec tes pieds, reste assis, t'es payé. Je crois qu'on a un troisième, mais j'ai oublié celle-là. C'est pas mal. Hôtel de ville. Ça va, tu la kiffes un petit peu. Bah, franchement, moi j'aime bien la ligne. Mais pas tout le temps quoi. Ouais, on va dire une fois par semaine, c'est bien. Et le roulement, ça te dit pas un roulement dessus ? Non, jamais. Je pense que tu rentres, elle est très demandée en plus en roulement. C'est dur à la voir. La ligne que je montrerai en roulement, ce serait 71. Ah, tu pourrais la demander en roulement ? Ouais, franchement, je pourrais la faire tous les jours, je ne la regrette pas. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. C'est une ligne qui est. Je suis plus dans un rondissement populaire. Le 7ème, le 12ème, le 20ème et le 19ème. Enfin, c'est bien, c'est des points que j'aime bien déjà. En plus, c'est une finesse, t'as du temps aussi. Ouais, en plus, t'as du temps. Même, c'est des points que j'aime bien, tu vois. Ouais. Après, le seul truc relou, c'est quand c'est jour de marché. Hein. De marché ? Bah, c'est serré, ouais, tu vois. Ouais, c'est serré. Et tu vois, ça rajoute un petit challenge en plus. C'est un petit challenge. Il y en a un qui t'a dépassé. Ah, l'enfoiré. Ah, t'as décidé moi dans le coup. Ça serait pas respecté dans les deux sens. Non. Ah, parce qu'aujourd'hui, je voulais avec. Ah, mais je respecte les codes. En même temps, je suis arrivé. Dans 2-3 stations, j'ai arrêté. C'est vrai, si c'est 30 km/h en plus. Hein. Bah, ouais, c'est 30. Ah, les gars, il est pas à 30. Mais en fait, après, il y a des portions, des fois, je crois, c'est 50 aussi. Mais en fait, plus tard, il est derrière moi, plus tard. Dans l'impasse du but, on arrive à 30 minutes. Je sais même pas où le radar. Il est là, il est là. Je pense que j'arrive à quelle heure. Hein? Ah, est-ce que tu vois venir changer? Bah attends, quand là on va arriver, là, je vais. Tu t'arrêtes, on est plus en live. Il y a un de ses acteurs, lui. Bon. Là, tu vas arriver à 53. Mais quelle heure, hein? Ah ouais, il est 7. Les 7? Ouais. Tu vas être 23h07? 23h07. Tu vas être au dépôt à 23h15. C'est pas sérieux. Ah ouais, mon gars, là, tu es trop. Ça y est, là, on va essayer.
On a perdu la gravité. Ouais, parce que là on a un club de... On a 52 minutes. Hein. Ah, t'as qu'à quoi pour rentrer, ça va être vite. Hein? Pour rentrer, ça va être vite. Ouais, en même temps, ils auraient dû me limiter. En fait. Ils auraient dû me limiter. Non, tu connais, tu passes sur Transidée, il n'y a pas de limitation avec Transidée. On voit la lune en entière. C'est vrai que t'avais quoi, on fait des orsips avec toi en fait. Mais ça, il est exigeant en Transidée. Test caméra, test. Hein? Je fais un test caméra. Ah mais moi j'ai déjà mes choix qui sont personnels. Mes choix personnels. Ouais. Donc moi je dois le dire, pas toi, c'est ça? Ah non, je peux le dire. On connaît ses choix et lui c'est. T'inquiète, c'est pas prêt à décœurer, c'est bon. De quoi? T'inquiète, c'est pas prêt à décœurer. Pas de Grecs. Ah ouais? Il y a quoi d'autre encore? J'ai pas compris, tu m'as dit quoi? Tant que c'est pas prêt des Grecs, c'est bon pour toi. Ouais, c'est. Si son top 3 c'est même que le mien, c'est bon. Hein? T'as dit quoi? Un petit sashimi. Un petit sashimi, ouais. Un petit sashimi. Un petit maki au sushi. Vas-y. Hein? Ah, tu peux faire les chinois. Tu peux faire les... Ouais, j'ai pas dit ça. Je peux bien les sashimi. Ah, moi je suis plus kebab. Ouais. Toi, t'es sashimi du coup. C'est pas ça, c'est lui. Ah ouais, c'est pas kebab. Hein. Là, nous allons quoi à la gare de Lyon, du coup. Hein? On revient à la gare de Lyon. On revient. C'est bon. On passe de la maison RATP. Aïe! La maison mère, ça? La maison mère. La maison, on n'a jamais mis les pieds. Ça en plus. On n'a jamais mis les pieds en dehors. Rentrer une fois dans les couloirs, tu connais Transidée, c'est lui qui est rentré dedans, c'est utile. Costard, je suis habillé, je suis allé voir le boss. Vous avez demandé une augmentation? Oui, j'ai demandé une augmentation, t'as dit quoi? Et ton dit non. On dit c'est un peu chaud, mais on va essayer de voir si on peut faire. Tu t'en donnais combien? 2 euros en plus? Je vais pas me donner ça autant qu'il dégage dans 2 euros. Franchement, les 2 euros, t'as tout à réussi dans le costard. Ça, c'est du lourd, ça. Y a son mec quand même, respect quand même. Toi, t'en as rien à foutre. Toi, tu dois être un de ces dragueurs sur Snapchat. Non, même pas. Moi, je suis un grand timide. Moi, je drague rien du tout. C'est pour ça que je suis célibataire depuis des années. Hein. Putain. Tu vas me dire que tu vois personne. Ah, je vois personne. Non. Enfermé dans ma maison en tant que geek de montage vidéo. Ça doit être ça. Le moine. Je te jure. Et ça c'est la veine de Disneyland. J'espère pas. Big Girl. Franchement, c'est quelqu'un qui rentre ici, je rigole. Mais en fait, des fois, ils peuvent monter pour dire est-ce que vous allez, je sais pas où, tu vois, ils peuvent croire que tu vas... Ouais, c'est vrai. Regarde, ils sont encore gardés là. Non, c'est marqué garde-vous. Ça, c'est des puces de prison, ça.
sortir du moule. Ah ouais, là ils vont qui peut venir. Il voit pas que son lui. Non, c'est bon, ça c'est bien. Hein. C'est un peu trop violent pour. Ah mais ils sont relous les taxis gamins pour tout le monde. C'est sympa lui. Les gens quand ils conduisent. Je t'arrête. Bon, c'est tranquillement. Il admire les. Ah, il a admiré le petit coquin. Non, mais négocier en même temps, il a admiré. Pas du tout. Il fait 2 ans dans le. Non, je négocie bien mon virage, c'est bon. Terminus. On reste trop. Retour. Ah merde, c'est là. RATP et Île-de-France. Ah, c'est je vais y partir tout droit. Ah, j'avais rentré direct. Dans le centre-bus, là. Dans le centre-bus, là.